السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. سيد البرتغالي يتكلم عن حادثة وقعت له مع شرطي جزائري، تابعوا معنا هذا الفيديو. Nouvelle anecdote arrivée en Algérie. Je sais ce que tu vas te dire, mais lui, il lui arrive que des dingueries. Bah ouais, il m'arrive que des dingueries. Enfin bref. Cette fois-ci, c'est avec la police. Et ouais, je me suis fait arrêter par la police en Algérie. Je t'explique. On est en voiture, on est en train de revenir de Constantine, on doit aller vers Alger. Donc on est sur l'autoroute et en Algérie, il y a des checkpoints un peu partout. Et je trouve ça bien, parce que moi, c'est très sécuritaire, tu te sens vraiment en sécurité. Enfin bref, je suis avec mon papa il est fatigué, on s'arrête à une station service et il me dit, est-ce que tu peux prendre la voiture? Je dis, ouais, pas de soucis, je prends la voiture. Je prends la voiture, 15 minutes plus tard, la circulation se ralentit, ok, on se retrouve devant un checkpoint. J'arrive devant le checkpoint et je dis au papa, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils vont nous arrêter. On arrive, paf, ils nous arrêtent. Le policier commence à me parler en arabe, bon, moi je capte pas, donc mon beau-père il prend la suite et il commence à lui expliquer que je suis touriste et que je comprends pas l'arabe. Donc il demande des papiers du véhicule, on lui donne les papiers du véhicule, tout va bien, les papiers sont en règle, pas de soucis. Maman arrive le moment où il demande le permis de conduire. Et moi, je l'avais pas. Je l'avais laissé chez mon papa. Donc moi, je dis au policier, je l'ai pas. Donc il me regarde, il regarde à l'arrière, il voit qu'il y a des femmes et un enfant. Il me regarde et il me dit, allez, rejoue, ou un truc comme ça, tu vois. Je pars. Moi, je suis comme un fou, tu vois. Je me dis, attends, si ça m'arrive ça, là, en France, déjà, je suis à peu près au minimum une heure avec le policier, le temps qu'il ait vérifié si j'ai le permis, machin. Ça m'a rendu... En fait, là, je me suis dit, attends, quand même, c'est incroyable. C'est-à-dire que même les policiers, en fait, ils ont cette âme où ils se disent, de toute façon, ça n'a pas l'air d'être des gens méchants. Et en plus, je suis un touriste, donc il s'est dit, je vais pas lui prendre d'aide plus que ça. Je suis parti. Et oui, petite précision, il m'a pas demandé d'argent aussi. Hein. Donc ça, c'est important. Donc 0 €. Donc je suis reparti comme ça, sans avoir présenté mon permis de conduire, ni ma pièce d'identité d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Voilà, tout simplement.